Jess! Jess, morning. Jess! Oh, putain. Oh. Oh. Hey, salut tout le monde. Ce soir, c'était mon sixième soir de chasse. Fun histoire courte. Mon père pouvait pas m'accompagner ce soir. Fait que j'ai demandé à un jeune de la relève que j'ai filmé il y a 2 ans de venir m'accompagner. Je me suis installé encore une fois à mon site préféré. C'est mon site à l'ours qui est à 15 pieds. Dans le fond, je m'installe à 15 pieds du bay. Puis j'ai chassé cet ours-là. À l'arbalète à 15 pieds. C'était fou. Je m'attendais pas que ça soit un gros qui s'en vienne au drum. Ça fait un petit bout que je l'avais pas vu, le gros. Ça a été vraiment une surprise quand il est arrivé. Puis cette fois-là, j'y avais sorti quelques trucs de ma poche pour qu'il reste le plus longtemps possible puis que j'ai la meilleure shot possible à 15 pieds. Puis aussi, ce qui me rend plus émotif là-dedans aussi, c'est que le site où ce qu'on est là, j'ai fait ça. C'est un site que j'ai trouvé puis que j'ai été initié par un de mes amis il y a à peu près 8 ans. Il m'a initié à chasse à l'ours. Puis je veux dédier cette chasse-là à Dominique Jean, un de mes collègues pompiers qui est décédé en service. Si je vous parle aujourd'hui et que je fais de la chasse à l'ours, c'est grâce à ce gars-là. Puis c'est un ami cher et qui va me manquer pour le restant de mes jours. Puis je voudrais vraiment dédier ma chasse et cet ours-là à lui. Puis il m'a accompagné avec moi dans mon sac de chasse. J'avais sa photo de lui. Puis j'ai bien vu que ça me porte la chance. Puis je suis vraiment, mais vraiment content. Fait que ça conclut ma saison 2022 à l'ours. Continuez à nous suivre sur les montagnards. Puis nous, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions et de vous aider dans vos propres chasses.